Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Banjo-Kazooie, Toei même, parce que voilà, hein, Kazooie c'était déjà fait. Donc on va continuer on va finir les mondes qu'on n'a pas finis, à commencer par ici. Tu te rends compte qu'il faut le dernier monde pour pouvoir finir ce qu'il y a à faire dans ce monde, pour pouvoir finir ce qu'il y a à faire dans le monde précédent encore. Oui, encore précédent, 5 mondes avant ou 3, non 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4. Comme le gâteau. On aime bien le... pique de la fournaise pour ça. Ouais, c'est un niveau joli, ça va. Plouf. C'est bon, là, l'eau, elle est assez froide. Oh oui, c'est Georges qui vous a aidé. Ils veulent bien, ça y est. Trop bien. Merci, Georges. Ton sacrifice n'a pas été vain comme celui de ta femme et pas de ta mère. Ah, mais il a pas été vain, hein. Il m'a permis de récupérer un Jinjo. Nous pouvons enfin piquer une tête. Tenez, prenez ceci, nous l'avons volé à une mocheté verdâtre avec un chapeau pointu. Ah bon, carrément. Vous êtes de toute façon, je vais devoir venir vous voir parce que j'ai pas pris une page de Cheeto. Petit plan sur le cochon. Bah, visiblement, je suis plus dans mon sac, hein, je me cache. T'as peur de quoi? Du petit génie là-haut. Non, faut pas que je... Voilà, je savais que j'aurais pas dû m'arrêter. Bah vas-y, tombe si tu veux, hein, Banjo, on peut dire que t'allais... C'est le running gag d'ici, tu comprends. Je préférais quand il y avait de l'eau. Bah oui, c'est parce que comme ça, t'es téléporté directement en bas. Enfin, devant, pas en bas. Allez, vite, je veux juste partir. Magnifique plan sur les jambes de ce monsieur. J'apprécie, j'apprécie. Vite, Kazooie, on s'en va. Quoi, t'aimais pas cet endroit? Si, si, mais il faut qu'on parte. Your planet needs you. Mais c'est déjà dans ma planète. Bon, bah alors c'est bon. Allez. On continue notre chemin pour la baie. Ouh la main, je voulais pas faire ça du tout. Mais c'est pas grave. Allez, go, le lagon! Ouais! Alors. Quel souvenir! Il me faut mon téléporteur. Quel souvenir! Ça m'avait tellement manqué le dragon. Alors, C'était à 36, ouais. Waouh, c'est magnifique! Alors, c'était laquelle déjà? C'était pas lui. Elle, si, je crois que c'était elle. Ouais, c'était elle, je crois. Oh, je sais plus. On essaiera tous, hein. De toute façon. Oui, oui, de toute façon, si c'est passé là, c'est pas grave. C'est dans le coin. Tu te rends compte que du coup, Mambo, je pense qu'il est inutile dans ce monde. Non, c'était là. Non, c'est... non, bah non, c'est pas du tout là. Oh, pas gentil. Pourquoi il est inutile? Bah, parce que je pense que tu peux nager tranquillement ici, en fait. T'as juste besoin de remonter à la surface à chaque fois. Courage, il faut que... lui, non, c'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. Il était derrière. Je crois que du coup, il doit être juste derrière. Ouais, c'est lui. Ouais, devant. Avec les petits poissons qui vont te manger. Ah, au secours. Mais tu nages pas vite. Mais pourtant, je sais plus. J'appuie sur les deux boutons et... Ah, là, ça veut bien. Bon. Ah, nous y voilà, la piscine séculaire. Le petit pirate avec sa matraque, le seul ennemi du jeu, tu vois, il est là. Il... Enfin, le seul ennemi du jeu, le seul ennemi du niveau, il est là. Tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Oh, regarde, oh, il y a encore des Jinjo. T'as oublié un en plus. Oh là là. Est-ce que je devrais me reposer? Bon, je sais que je sais pas le faire. Bon, j'ai pas envie de perdre du temps, finalement, j'en ai marre. Bon, ça suffit, là. Oh, quoique, c'est juste. Je crois que j'ai un peu raté. Mais tu peux à partir de là, je pense. Tout simplement. Je m'attendais pas trop à ce saut, c'est vrai. Mais je peux pas faire l'autre. Mais si, tu appuies sur B pendant que t'es sur le truc. Ah, ok, comme ça. Mais c'est un peu quand elle a envie, tu sais. Mais ouais, je sais, mais... Wow. Ouf. Bravo, t'as toutes les pages de Cheeto. Tu vas pouvoir trouver un nouveau code. Vite. Allez, va-t'en. Bah, la voilà ma vie.
Allez, il est temps de quitter ce monde une bonne fois pour toutes. T'en as marre d'ici, t'aimes pas l'eau en plus. Non. Oh le... Ouf. J'allais dire le home run, mais non, il a raté. Déçu. Allez, on va voir Chito. Parce que là, je pense pas qu'on ait d'autres pages à lui donner. Quoi? Tu penses pas que t'as encore des pages à lui donner? Il est encore cassé, je te rappelle. Hein. Regarde, il a encore plein de... Il y a encore plein de trous. Non, c'est bon, pas... picore pas Chito. C'est dur de parler à Chito. C'est pas bête pour parler à quelqu'un. Bah si. Génial, vous avez récupéré suffisamment de pages pour que je vous donne un nouveau cheat. Il était temps. Par ici, la bonne soupe. À bout de les pages, d'abord. Oh oui, je vous suis redevable. Mon cinquième cheat est Jukebox, compris? Voilà tous les cheats que je peux vous donner pour le moment. Si vous trouvez d'autres pages, vous savez où trouver. Ah, parce qu'il y en a encore. Ceci est le menu pour les cheats dont je vous ai parlé. Pas Jukebox, pas un cheat, ça, c'est juste pour écouter la musique du jeu. C'est pour réparer le Jukebox de Jolly Roger. Tu comprends pas que c'est un cheat. Mais j'avais dit que je retournerais plus là-bas. Oups, bon. Non, mais t'as trop l'habitude maintenant. Ça y est. Original comme atterrissage. Je voulais faire des petits tours et puis s'en vont, mais j'ai pas réussi. À la clé arrière pour mettre mon cheat, j'ai bien envie d'aller voir la Oni. Madame Bi. Oni Bi. Elle m'avait dit qu'elle me donnait un cadeau la prochaine fois que je venais. C'est vrai? Si j'avais 9 alvéoles. Oh, ça tombe bien, t'en as 9. Salut Miss. Monsieur Oni Bi, je vous donnerai l'énergie en échange d'alvéoles vides. C'est l'alvéole pour un point d'énergie supplémentaire. Merci. Vous pouvez échanger? Oui. Bien sûr, ma jolie. Alors envoie tes alvéoles, mon gros ours. Voici ton énergie supplémentaire. Oh, t'en as zéro maintenant. Quoi, on n'a pas la double barre de vie, là? Tu voulais deux barres de vie? Bah ouais, il en avait deux dans Banjo-Kazooie. Oui, mais là, une, c'est suffisant. Si tu veux deux barres de vie, débloque un cheat. Vie infinie. On est back ou je sais plus c'était quoi. Bienvenue dans le monde des codes. Vas-tu réussir à entrer le code Jukebox? Oui, regarde, c'est écrit. J. Ah mince, c'est ce bouton là. J. Il est où le K là? K. Il y a un E. E. Ouf. B. O. Ouf. Le cheat Jukebox vous permettra d'utiliser le Jukebox dans l'auberge de Joyeux Roger. C'est incroyable. Il faut l'activer, bien sûr. Oui, parce que bon, peut-être que tu veux pas. Tu peux le casser Jukebox... ou le réparer. C'est à la convenance de Banjo, tu vois. Genre, j'ai envie de le casser aujourd'hui. Oui. Donc, du coup, il nous reste quand même plein de cheats. Alors, je sais pas si on les trouve dans le jeu ou. Bah, à mon avis, ça doit être comme dans le premier jeu. Ou genre... Si tu les entres tout seul, genre t'écris. Je sais plus ce qu'il y avait comme cheat. Genre t'écrivais cheat infini, tous les levels ou des trucs comme ça. Bon, c'était pas exactement comme ça. C'était des petits noms quand même. C'était entre... des phrases super longues, oui. Non, ah non, ça c'était pour les œufs. Les œufs. Les œufs qui sont qu'au nombre de 3 dans ce jeu d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a d'autres et qu'on le sait pas. Allez, Milu, je te rends les manettes pour de bon. Je pense que là, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Incroyable. Alors maintenant, va réaliser la prophétie. Oh mon Dieu. Tu vois, j'étais enlevé la malédiction du 86. C'est gentil, maintenant j'en ai 3 de plus. Et ces panneaux servent toujours à rien, je suppose. Bah, fais le dernier puzzle et tu sauras. Oh non, purée, le puzzle il va être long en plus. Amuse-toi bien. Challenge d'œuf, tu dis oui. Ah, ça va, j'ai quand même des puzzles. Yes! Bravo! Oh, c'est la tour! Tour de piste, bien sûr. Bon, je sais que c'est pas bien que ce que je fais, mais je prends ce que je trouve, donc voilà. Non, mais va là, voilà. Ouais, cool. Non. Je peux pas la mettre là, prends. Vite! Bon, ça va, t'as encore le temps. Vite! On a plus le temps! Ah mince, maintenant t'as plus que 66 secondes! Vite! Mais non! Ouais, cette arnaque là! Non, mais tu peux pas dire pain rond alors que c'est bon! Oh, vite! Plus que 53 secondes! Tu vas rater! Oh
Oh là, c'est difficile. C'est tout jaune. On voit aucune différence. C'est magnifique comme endroit. Vous avez réussi le challenge 9 de Jiki Wiki. Notre seigneur va vous envoyer le chemin. Vous envoyer le chemin carrément. Ouais, ouais, vas-y Jiki Wiki, utilise toute ta force là. C'est tout ce que tu sais faire. Observez la toute puissance de Jiki Wiki. Ouais, mais il est trop lent ton Jiki Wiki. Moi je serais plus rapide à sa place. Même Mumbo est plus rapide. Et en plus, lui, il dit j'espère que ça va fonctionner. Il est pas sûr. Non, il est pas sûr, il est modeste, Mumbo. Regarde le laser qui va battre les lasers. On va le laser bleu contre les lasers verts. Wow, bravo. Vous êtes vraiment les élus. Vous pouvez dès maintenant atteindre le prochain challenge. Parce qu'il y en aurait un. Ah! Au secours! Bah ouais, t'as vu, il y en a encore un. On verra ça plus tard, il nous manque encore une pièce de puzzle à aller chercher. Oh, il y a tout qu'à bugger. Il a pas aimé le rayon laser du Jiggy Wiggy. Ok, c'est bon. Wow, 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 wow. Allez. On va retourner dans le deuxième monde qui est cool. On va récupérer ta dernière pièce. Oula, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Oulala, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Il en peut plus. Attends, il y a bien quelqu'un qui rentre dans ce silo? Je suis pas sûr. Bon, finalement, c'était rien. J'ai rêvé. Oui! Comment ça, le deuxième monde qui est cool? Bah oui, ce monde-là, il est cool. Oui, mais tu mets Pterydactyland et le Pic Fournaise... En même temps. En même temps. Bah, ouais. Parce qu'un chacun, tu vois. Il était donc pas moi, cool, le monde des nuages. Bah, c'est pas moi qui l'ai fait, je peux pas voter pour lui. T'as pas fait le monde de la fournaise et pourtant tu me juges. Bah non, mais c'est toi qui l'as mis en 1, pas moi. Ah, bah dans ce cas-là, je mets le monde... Je mets le monde des nuages en 2. Oh là là, ça va être compliqué de récupérer la dernière pièce. Ça va pas être compliqué, ça va juste être long. Je sais que tu disais ça pour rire, mais c'est pas grave. Moi, je suis trop sérieux, tu vois. Alors, et en troisième, tu mets lequel, vas-y. J'ai le choix entre le deuxième monde et le monde de Jolly Roger, c'est ça? Ouais. Bon, je sais pas. Disons que les mines miroitantes, c'était sympa, mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. Pas plus que ça. Et la baie de Jolly Roger, c'était pénible, alors je sais pas non plus. Ah bah ouais, mais il va falloir faire un choix. Je les mets à égalité 3ème. Oh mais non, ça compte pas, c'est de la triche. Moi ça va, le 3ème, je sais que c'est... Bon, tu peux changer, merci. C'est ça, j'espère. Ouais. Petit plouf. Moi je mets en premier, en 3ème premier. Bonjour. Toutes les pièces. Il y a un petit cadeau qui vous attend sur l'écran de sélection des cinématiques. C'est bien, mais on connaît pas cet écran de sélection des cinématiques. Je pense que c'est dans le menu principal. Quoi, y a pas une télé quelque part pour les regarder? Bah ouais, mais si, y en a une dans l'écran principal. Bon, je sais que c'est pas l'écran de titre. Bah non, c'est pas l'écran de titre, le menu. Oh, je sais pas comment on appelle ça. Bah... Sélection de fichiers, voilà, oui, c'est voilà. Bien en fait, comme nom. Attention! C'est le cochon! Il a pas burn celui-là. Non, 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 c'est bon, je les laisse tranquilles maintenant. Ils m'ont laissé tranquille, je les laisse tranquille. Nous nous laissons tranquilles, ils se laissent tranquilles. Vous vous laissez tranquille. Du coup, on opte pour la Kazooie normale? Ouais. On a commencé avec Kazooie, on finit avec Kazooie. Regarde, t'as vu, je t'ai mis un raccourci parce que je savais que tu trouverais pas les chaussures. Mais il est content, le... Mais vas-y, je peux pas faire l'attaque ultime. Bon, ok, d'accord. Je suis un gros loup, en fait. Je sais pas faire l'attaque ultime, ok. On a qu'à dire ça comme ça. Allez. Oh, bah, pff. C'est dur. C'était plus facile dans le premier jeu. Wow. J'ai cru que te jeter comme ça. Il est long, ce tunnel. Allez, monde suivant. Alors, le chaudron, je sais pas quoi. Forteresse chaudron. Waouh. Wow. Il faut Banjo tout seul. On va y aller. Waouh. Ouf. Je suis trop doué. N'est-ce pas?
C'était utile de faire ça, hein. Kazooie, elle va tellement loin que j'étais... je suis pas sûr que c'était nécessaire. Oui, mais c'est pour avoir l'air cool. Oh, il va falloir que j'élimine les lasers. Ça va être dur. Peut-être un bouton derrière. Oh, Jinjo. Il faut les deux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, pourquoi tu vas là-bas, Kazooie? Parce que c'était mieux là-bas. Toujours compter sur Kazooie, oulalalala. Il a du mal là, il a du mal. Mais c'était pas une bonne idée, car il est revenu. C'est le Jinjo noir. C'est pour laisser la confusion, tu vois. Bah, du coup, ça s'ouvre pas derrière, je suis déçu. Bah, ouais, là ça aurait pu s'ouvrir, ça aurait été cool. Oh, mais il y a un truc qu'on a oublié de faire, bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? On a oublié d'aller dans la maison des Jinjo noirs, je veux entendre tous les OUI en même temps. Waouh, 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 hey, Kazooie. On dirait qu'il n'y a personne là, dedans. Mais si! La musique vient de changer. À chaque fois que ça arrive, il y a du grabuge. Oh, Clango devoir château maîtresse. Défendre. En cours de licenciement. Tu ne comprendras donc jamais. Clango malin, beaucoup apprendre à avoir nouvelle potion. Aussi inutile que les autres? Ah oui, Clango veut dire non. Oh, ils avaient prévu qu'il y avait la console, oui. Moi, manger, homme, je sais pas quoi. J'ai pas lu. Ah, potion bleue. Ah bah non, faut pas manger le verre. Quoi? Ah bah non, pas savoir trouver, vrai. Bon, j'ai gagné. Oh là là! La triche. Ah bah c'est trop facile, Clango. T'es un peu bête, hein. Et il prévoit super bien le mouvement, ouais. Bon, il est même pas très sûr. Waouh, 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 waouh. C'est lui? Mais oui. Ah, mais je suis trop doué, vous cherchez pas. Oh, on va aller dans 3 points d'interrogation, ça a l'air trop bien. T'en as pas marre maintenant? Clango remarquait quelque chose après combat contre ours et oiseaux. On était deux contre un? Sniff, Clango devenir moins en moins beau. Maintenant, Madame Clango plus vouloir de moi. Clango a eu assez. Oh mince, il avait une femme. J'aurais jamais... imaginé. Imaginez ça? Plus bonne opportunité avec Grunty. Plus de promotion. Plus de jours de congé. Plus de salaire. Clango veut trouver travail de bureau facile, faire jeux vidéo débile. Mais c'est ainsi qu'il lança des projets sur Kickstarter et qu'il ne les fit jamais. Oh, c'est pas bien ça. Allez, on va aller dans point d'interrogation, ça a l'air trop bien comme endroit. Tower of Tragedy. Le quiz pour la tragédie. C'est pas la même chose, hein. Quiz Tour Tragedy, c'était écrit. C'était pas écrit Tower? Non. Si, mais en français, non. Merci, merci, je suis Grunty, votre hôte, bienvenue au quiz de la Tour Tragédie. Voici un bref récapitulatif des règles. Il y a 3 séries de questions. De culture générale, le participant avec le plus bas score à la fin de chaque série sera éliminé. Une bonne réponse vaut 2 points. Si un participant se trompe, vous pourrez tenter votre chance sur la même question, qui vaudra alors 1 point. Une erreur vous coûtera 2 points. Appuyez sur A pour activer le buzzer si vous pensez avoir la bonne réponse. Et voici les victimes, les participants de ce soir. Sur ma gauche, voici ma ravissante sœur à la taille de guêpe, Mingela. Et à droite, voici mon adorable et splendide sœur Bobelda. Au milieu, voici Banjo, un ours à l'air niais. Et... pour la première série, attention, on y va. Jetez un coup d'œil sur ce décor. Bah, je veux bien, mais il n'y en a pas. Mais si, c'est écrit Tower of Tragedy. Ah. Moi, je sais, c'est Wumba. Moi je sais, c'est Wumba. J'appuie sur A là. Je connais pas la question encore. Fallait dire combien de couleurs il y avait. Hein? Bon bah... 3. Eh bah imbécile. Il y avait pas écrit la question.
combien de flèches vertes y avait-il? Mais comment voulez-vous que je sache? Pourquoi elle dit aucune aussi? Ah non, c'est encore toi? Non, c'était pas moi. Ça fait du 50-50. Quel monde de Banjo-Kazooie n'apparaît pas? Mais comment? Mais quoi? J'ai même pas eu le temps. Dans quoi Oomba Oomba l'Indien de Vitesse? Moi je sais. Tente. Tu vois là? Bah tu peux pas appuyer en bas? Bah je sais pas, ça marche pas. Non, c'est lui. Mais quoi? Mais attends, j'ai appuyé sur A. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette arnaque? En quoi Klungo voulait-il se reconvertir? Moi je sais. Ah voilà. Moi je peux pas descendre. Appuie sur... Non mais sérieux, concepteur, c'est bon, de vos, c'est écrit ça? Non, okay. Oui. Quel était le problème du pirate dans le lagon? Non mais pourquoi? Mais j'ai... Mais non, il a la nausée. Il a la diarrhée. Qu'est-ce qui bloque les conduits d'aération? Moi je sais. Mais attends, comment... c'est pas... Mais la question est pas finie. C'est pas A. En fait, c'est B. Quelle mission vous donnez le Zomba? Bon, ok, alors... T'es gommé ses amis. Oui. Monsieur, je sais tout. Bah oui, je sais. Je sais tout. Combien de fois Banjo a-t-il vaincu? Voilà, moi c'est bon. Mais j'ai même... Oh. Ah oui, mais je sais pas moi s'il faut bourriner ou pas au final. Ils ont même pas voté. Elle est pas sûre. Hein, je... Charogne! De quoi Logo se plaignait-il? Moi je sais. Il voulait se vider. Bravo, t'as gagné 2 points. Mais vas-y, j'ai perdu. Ah non, c'est bon. Vas-y, un décor tiré du jeu. T'as plus que 50 secondes pour gagner. Ah oui, ok, c'est là, des trucs, ok. C'est les chaussures. C'est Tiradiactyland. Faut que je vote maintenant ou pas? Bah, tu connais pas encore la question. Mais, appuie sur A. Mais c'est bon, j'ai voté. Basket Turbo, ni l'un ni l'autre. Quoi? Bah oui, t'avais deux choix, mais c'était peut-être ni l'un ni l'autre. Que porte la fille extraterrestre dans le... Moi je sais! C'était pas un hocher? Bah c'était un miroir. D'où vient le conduit d'eau? Moi je sais! De la mine miroitante. Bah mais oui, bah oui. Là c'est toi qui l'as? Non, c'est lui. Ah ok. J'ai encore perdu, non mais c'est bon, c'est mort, j'ai fait n'importe quoi. C'est bon, on peut recommencer. Ouais, ouais, vas-y. Moi, je vais y aller en bourrin, là. Bah oui, mais faut ouais, pas mais faire on tente, ça. Hein, on tente, hein. Il avait plus de temps, de toute façon. C'est pas une raison. Peut-être qu'ils allaient répondre des bêtises. Ils ont jamais répondu des bêtises, des tricheurs. En plus, ils répondent avant que la question elle soit finie. Fin de la première manche! Comme prévu, cet idiot d'ours, le bon dernier, avec le score ridicule de 0 points! Eh, c'est bien 0, moi j'ai pas un chiffre négatif. Ah, je suis mort à un coup. Ah, bah une tonne quand même, ça fait mal. Hein. Bah oui, mais c'est un miracle que tu ressuscites sur un téléporteur. Qui dit que je vais ressusciter sur un téléporteur? Allez, retourne faire ton quiz. Il était trop dur. Est-ce que je vais devoir retraverser la salle? Non. Le retour de la boule de poil. On va devoir recommencer la première série de questions. Ah, voici un décor tiré du jeu. Alors, moi je vais tout voir là, je vais tout voir, je vais tout regarder. C'est écrit Jolly Roger Lagoon Water Pipeline, je sais où ça se trouve. Là c'est bon, là, y a pas de problème, là je réponds direct. Moi je suis un champion du monde là. Allez, je réponds direct. Mais n'importe quoi, non mais vous êtes sérieux là? La question est même pas passée. Mais vous êtes sérieux? J'appuie sur ah. Mais c'est quel bouton qu'il faut appuyer en fait? Mais du coup personne n'a répondu. Quoi? Mais je veux bien répondre moi. Quoi? Ouais, monsieur Form. Oh mais c'est bizarre. C'est B en fait. Dans quoi Mambo Jumbo le chaman lui dit? Là c'est B. Ouais bah là c'est B, mais parfois j'appuie sur A, ça marche. Parfois ça marche pas, je sais pas en fait. Hein. Quelle mission vous donnez le Zumba à... Mais celui-là était facile en plus, elle passe tout à l'heure, tu triches. Quelle arme est utilisée par les méchants plats? Ouais, je réponds direct. Oh mince, c'est ça. Ça s'appelle les méchants plats. Que disait Jinjo une fois sauvé? Jinjo! Jambon, il fait... Oh oui, trompe-toi. Minable. Mais oui, moi. Regardez comment je suis trop un champion du monde là, ils comprennent rien à leur vie. Comment s'appelle le personnage oiseau? Mais moi je sais, je sais. Marie Canary. Regardez comment je suis. Joe Corbeau.
Comment s'appelle l'Indien? Mais oui, je sais trop. Ouais, oui, mais je suis trop fort, moi, en fait. Hein. Oumba, oumba. Pas mal, pas mal, hein, je sais. Voici un décor tiré du jeu. Bah, maintenant que tu sais que c'est B. Ouais, mais tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps. La question est même pas apparue. Bah, moi, je sais où c'est, ça. Moi, je sais où c'est, direct. C'est bon, je sais où c'est. C'est bon, là, je spam. Ah, mince. Non, je pense bah oui, mais en même temps, il n'y avait pas la question, comme vous voulez. Ouais, je pense que c'était combien il y avait de dalles marrons, ouais, voilà. Et vu qu'il y en avait forcément plein. Mais bon, elle a gagné qu'un point, alors c'est pas grave. De quelle forme est mon pupitre? J'en sais rien. En étoile. Carré. En étoile, c'est sûr? Yes, c'est bien. C'est devant tes yeux, tu peux pas te tromper. Observez-le attentivement, ouais, c'est bon, là, moi j'observe. J'observe avec mes yeux. Alors, ça c'est... Moi je sais où c'est, je sais son nom, je sais tout. Là c'est bon, là il n'y a aucune excuse. Là c'est bon, je sais tout. Vous êtes obligés. Konga, enfant de Boogie. Vous êtes sérieux? Bah oui, mais non, mais comment vous voulez savoir que c'était le boss en fait? Bah, c'est Monsieur Patch, bien sûr. Bravo! Quelle est bête! T'es bien le candidat de l'usine de déchets des... Allez, c'est bon, ça là, il passe tout à l'heure. C'était des piques fournaises. Quoi? Bah non! Tu dis des bêtises! C'était le lagon du pirate! Mais c'est bien, j'aime bien comment l'autre elle fait rien. Elle perd des points, elle gagne des points, mais l'autre elle fait rien, donc ça va. Toi aussi t'en perds. M'en fiche. Fin de la première manche, on dirait que ma sœur Mingela vient d'établir un nouveau record en matière d'idiotie que Scaritikit. Ah bah mais non, mais là j'avoue quand même qu'elle a bien abusé. Par contre, l'autre elle fait le Luigi, l'autre. Elle fait le Luigi. Tu vas voir, à la fin, c'est elle qui va gagner. Je vais rien comprendre. Le plus mauvais, soit écrabouillé. Je pense que c'était écrit que le plus mauvais. Je sais pas. Comment s'appelle le monde 3? Ouais, moi je sais ça. Sorcière lampe. Yes. Réponse acceptée. Yes. Quelle marque d'emballage alimentaire n'apparaît pas dans le nuage Coucouland? Ah oh, bah ça, je sais pas en fait. Le premier est lié. Bah du coup on a eu un petit souci, désolé pour la coupure. Bah l'autre il a pas réussi à répondre du coup. Combien de cheminées a-t-il dans les usines du street Grunty? Bon alors ça j'en sais rien. Deux tu penses? Oui. Ah bah oui les cheminées, c'est vrai. Voici un décor tiré du tigeux. Bah dépêche-toi quand même. Ah Terry Dactyland, c'est Terry. Il a été plaqué par sa femme. Il a été plaqué par sa femme. Il doit faire éclore ses enfants. Alors. Oh bah c'est pas si là, c'est trop easy ça, réponse. Oh la coquille, j'ai tout vu. Ah j'ai tout vu la coquille. Ah c'est un décor tiré du jeu, ok. C'est vrai que le temps il s'écoule plus quand t'as là. Plein de temps là, ok ça c'est bah purée par contre si c'est le. Je crois que c'est lune, soleil, étoile hein. Je sais plus. Ou alors il fallait sauver Bertha. Non je sais plus. Qui avait-il à gauche de la lune? Oh. Ah c'était l'étoile. Réponse acceptée. À me casser dans le tour d'étoile de sorcière. Non, combien? Bon, bah, ok, hein. Un coup de chance. Ah bah c'est clair. Sûr, là. Comment s'appelle le dinosaure vivant dans le lac intérieur? Bon, je sais. Hein? Allez, je pas en. Eh oui, c'était Champazor. Je vais devoir l'accorder. Quelle zone n'appartient pas à l'île aux sorcières? Le sable mouvant. Non, le bosquet. Le bosquet. Ouais. Ah non, la clairière, bah oui. On dit des bêtises. Comment s'appelle le train voyageant? Vite, 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 je fuis. J'ai appuyé sur B. Yes, poufta. Ok. Poufta. Après, tu sais, t'appuies sur B et tu regardes laquelle. Quel copie le chameau vous êtes-il une fois? J'ai essayé là, elle appuie plus vite que moi. En plus, c'était Cableman, bien sûr, la réponse. Bonne réponse. Bon, je m'en fiche, j'ai trop d'avance, elle peut plus rien me faire. Casseur Mando lance-t-il dans les piques fournaises? Moi, je sais tout. Force vitale! Moi, je sais tout. Moi, j'ai bien joué à ce jeu. C'est pas toi qui as fait le pique fournaise. Quelle zone appartient au nuage coucoulant? Dans la poubelle. Quoi? Mais théoriquement dans le château gelé aussi, non, on peut y aller. Oui mais c'est pas grave. Y a-t-il sur la... Allez vas-y, on va répondre au hasard là. Bon ok, j'aurais essayé au moins.
prospecteur dans l'île miroitante, bah c'est lui et son partenaire. Attends, c'est sa femme, hein. Il a dit ma chérie et tout. Fin de la deuxième manche, on dirait que ma sœur Minghella n'est même pas arrivée à battre ce crétin durcidé. Voilà le lot de consolation, Blobby. Oh, t'as vu comment c'est un gros troll Banjo et là, oh, t'as perdu. Bon les cancres, écoutez-moi. Les règles vont être un peu modifiées pour la dernière série. Mais on a gagné là. Ah, il y en a encore une. Pour un dans le jeu plus difficile. Et non mais surtout ne presse pas, hein. Je ne vous montrerai les réponses que si vous appuyez d'abord sur le buzzer. Si bah, c'est parce qu'on fait déjà. Ah bon, c'est parce qu'on fait déjà. Vous appuyez sur Z pour passer à la question suivante. Tu veux dire qu'on répond au hasard ? Il vous faudra battre le score prédéfini durant le temps imparti. Allez, on est en train de jouer à question pour un champion, là, ça y est. Allez, Banjo a perdu. Oh, Grunty est écrasé. Combien de personnages apparaissent dans la séquence d'intro ? Dans la séquence d'intro. La première ? Mambo. Oh, tant pis, je vais mettre 7. Moi, j'ai réussi à compter 5 pour l'instant. Qui se cachait dans la chaudière du train dans la mine miroitante? La chaudière cruelle. Ah non, c'était... Oui, pourquoi j'ai... Bah oui, attends. Elle était méchante, la chaudière. Comment s'appelle le monde 1? Ah, ça, c'est facile. Temple Mayhem. Purée, il me reste plus beaucoup de temps, là, déjà, il faut... Bon, bonne réponse. Bah oui, on a le temps, hein. Comment s'appelle l'usine du monde 6? Industrie Bandy. Ah oui, hein, comment tu me dis que je sache pas ta réponse? Quelle sorte Mambo, lance style dans un nuage coulant? Oh bah c'est la danse de la pluie! Oui! Non, non, c'était danse de la pluie que je pluie, hein. Elle a pas joué au jeu, Gruntilda, hein. Que ne faisait pas le serpent de Jade dans le temple Mayhem? Il mangeait une pièce de puzzle, il mordait Banjo. Bah, mordait pas, il m'a jamais mordé, donc il dormait. Coup de chance, non, mais non, on a joué au jeu, hein. Mais non, je me suis trompé. Surprise du marin. Yeah! Et vous pouvez pas me le faire à l'envers, moi je le connais ce jeu. Quel niveau de pression affiché sur le... Oh, bah ça je sais pas. Je vais passer. Je m'y attendais! Quelle zone n'existe pas dans Pterodactyland? La couveuse. Le passage du fleuve? Oula, y'a pas le passage du fleuve en fait. Non, c'était la couveuse. Il y a pas non plus le passage du fleuve. Dans quel jeu Banjo est-il apparu pour la première fois? Dans Banjo-Kazooie. Diddy Kong Racing. Ah, il est paru avant quand même. Oh là là. Comment s'appelle la lotte géante du lagon pirate? Oh là, j'en sais rien en fait. Ah oui, si, c'est bon. Oh, c'est une lotte. C'est pas une lotte. Moi, j'aurais dit que c'était un autre, mais bon. De quelle couleur est la tente de Big Top? Oh là, je sais plus. Je sais pas. Jamais. Mais pourquoi t'aurais pu répondre au hasard? Bah oui, mais j'ai plus beaucoup de temps là. En quoi Oomba Oomba change-t-il Banjo dans Sorcière Land? Bah c'est facile, un camion. En van. Un vivier. Coup de chance. Allez, je savais pas qu'ils avaient mis Banjo dans Diddy Kong Racing. Quel était Combien? Quoi? Moi j'ai pas lu la question au début donc ok. Oh là là, c'est pas grave, c'était par rapport à la piscine. Comment s'appelle le Yeti au grand pied de pique? Vous connaissez son nom? Bah vite, passe. Pas! Mais tu pouvais répondre au hasard! Mais oui, mais non! Qu'est-ce qui se passe-t-il dans la tente de Madame Grunty d'en sortir? Ah, ça, je sais. On y boit, on prédit l'avenir. Vas-y, prédit l'avenir. Fou! Quel était le problème du pirate dans le lagon? Ah, c'est facile ça. Il avait le nausée. Mais elle est passée tout à l'heure en plus cette question. Ok. Comment s'appelle le double cyborg de Mambo? Ah, bah ça, je sais aussi. C'est Mickey Django. Bonne réponse! Avec combien de points? Ouais, vas-y. Oh. Zéro. Ah. Non, c'était 50. Oh, t'auras pas 20. En fait. C'était 50. Que se passe-t-il avec ce système de calcul de points? Je vais dérégler. Je ne peux pas avoir autant de points. Non, 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 non. Je déclare la victoire nulle et non avenue suite à un équipement défectueux. Hein? Qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne sais pas trop. Quelqu'un a une idée? Tu pourrais tenter une fuite lâche comme dans celle de Banjo-Kazooie avant qu'on te botte les fesses comme jamais auparavant. Je pourrais, merci pour tes bonnes idées, le piaf. Heureusement, j'ai fait la construire une fusée dans mon pupitre pour cette raison même. Je vous attendrai au sommet comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, la chute sera dure pour vous. Et je vous attends. Je vous attends au sommet. Vous pouvez prendre votre temps, allez faire les quêtes annexes. Ouais, on va faire les puzzles. Correct. Allez, Kazooie. Allons-y. Et voyons-y. Et voyons où on est, cette porte qui vient de s'ouvrir. Bah, on verra plus tard. Tu crois que c'est la fin du jeu?
Ça m'étonnerait. On n'a pas encore eu droit au crédit de fin. C'est vrai. Allons-y alors. Ouais, vous y allez pas maintenant, hein. Mais ça va, vous avez attendu longtemps, hein, quand même. Mais j'ai gagné la Tower of Tragedy.